Le bon pasteur est parmi nous. Le bon pasteur est ressuscité. Le bon pasteur est le bon berger de nos vies. Celui-là qui s'est donné en sacrifice pour toi et moi. Celui-là qui s'est donné pour racheter nos vies, pour racheter tout un peuple. Lui qui a choisi de mourir pour son troupeau. Lui qui a choisi de mourir et pour toi et pour moi. Alléluia, alléluia, amen. Nous sommes encore réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours dans cette joie de nous retrouver en ce matin où l'Éternel Dieu des armées encore permet que nous puissions encore nous tenir debout dans sa présence pour encore le glorifier, le magnifier, lui dire le merci de notre cœur, lui dire merci pour le don gratuit de la vie, pour le souffle de vie, lui dire merci pour nos yeux qui voient en ce matin, lui dire merci tout simplement pour tout ce qu'il permettra tout au long de cette journée qu'il nous donne à chacun de nous, lui dire merci pour ces anges qui campent tout autour de nous, pour nos saints patrons qui ne cessent d'intercéder pour nous, qui ne cessent d'aller véritablement faire monter toutes nos supplications et nos prières au devant du trône de notre Seigneur. Voilà pourquoi en ce matin, nous voulons tout simplement dire, Éternel Dieu des armées, tu es le bon berger de nos vies, tu es le bon berger de nos maisons, le bon berger de nos nations, le bon berger de nos foyers. Avec toi, rien ne saurait nous manquer. Pourquoi devrais-je avoir peur? Pourquoi devrais-je craindre le lendemain? Pourquoi devrais-je douter? Pourquoi devrais-je laisser les situations de la vie, de la société m'accabler au point de me dicter ma conduite, de me dicter carrément les émotions que je dois avoir quand toi, l'Éternel Dieu des armées, ne me demande qu'une chose, d'être dans la joie de ce que tu es, la joie du ressuscité du troisième jour. Voilà pourquoi en ce matin, je veux tout simplement te dire à toi qui m'écoutes, confie-toi tout simplement en l'Éternel. Confie-toi tout simplement à ce bon berger, à ce bon pasteur qui est l'Éternel Dieu des armées. Nous sommes encore réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. L'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. L'Éternel entoure son peuple de sa droite triomphante. L'Éternel Dieu des armées entoure ta maison de sa droite triomphante. En ce début de semaine encore, il vient t'entourer de sa droite triomphante.
de ce qu'il est. Il vient t'entourer de sa droite victorieuse, de sa droite triomphante de la mort, triomphante de la mer. Il vient entourer ta maison, il vient entourer ton foyer, entourer tout simplement tes activités, afin que tu sois en lui et pas hors de lui. Car il est l'assurance de ta vie, il est celui qui te suffit, il est celui qui te comble bien au-delà de toutes choses. L'Éternel Dieu ne saurait te laisser affamé. Quand tu as faim, il sait te rassasier. Quand tu as soif, il sait vraiment étancher cette soif-là. Quand tu le cherches, il se laisse trouver. Quand tu cries à lui, il sait se faire entendre. Quand tu veux le toucher, il sait le faire également. Voilà pourquoi de là où tu es, dis tout simplement, rien, absolument rien, ne saurait me manquer, car j'ai la bonne part avec moi. J'ai choisi la bonne part. J'ai choisi l'Éternel Dieu des armées. J'ai choisi celui qui me comble au-delà de toutes choses. Amen. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh toi ma maison, toi ma maison, toi ma maison. Alors bien-aimés de Dieu, en ce matin encore, que nous puissions continuer à élever les désirs de nos cœurs, c'est-à-dire nos soupirs, nos cris, nos prières, que nous puissions tout simplement laisser nos cœurs, nos âmes s'exprimer et parler librement dans la présence de Dieu. Tu as besoin qu'il vienne encore à ta rencontre, exprime cela, que ce soit de manière orale, que ce soit au fond de toi, exprime-le dans la vérité de ce qu'il est. Si tu as envie qu'il vienne encore te toucher, apporter quelque chose de positif dans ta vie, exprime-le tout simplement et laisse-toi tout simplement enivrer par sa présence. Car celui qui se confie en l'Éternel ne saurait faillir, ne saurait trébucher, ne saurait perdre. Et c'est dans cet élan d'allégresse, d'amour, que je te souhaite encore de passer une excellente journée dans la présence de notre Seigneur Jésus, accompagné de tous nos anges gardiens et de tous les saints et saintes du ciel. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.